prochaine de texte, la dignité des plantes. J'aime bien pouvoir y faire à celle-là. C'était là, commencez par lui couper la tige, peut-être lui mordit la feuille, peut-être. Mais que faites-vous là? Mais je laisse libre cours. Laissez-moi mes hibiscus. Mais. Mais. C'est mon hibiscus. Mais pourquoi? Ce n'est pas le vôtre, je l'ai vu avant vous, voyez. Vous êtes sur ma propriété. Votre propriété? Mais pourquoi laissez-vous vos plantes à l'air libre alors? Pourquoi? Expliquez-moi. Les plantes sont libres d'aller où elles veulent. Mais les plantes ne sont pas ma propriété, elles sont seulement sur ma propriété. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Oui, ce sont mes enfants. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Si par exemple. Mais arrêtez de tripoter mes plantes! Voyons. Demandez-lui l'autorisation! Mais ça ne peut pas me répondre, c'est une plante, voyons. Elle n'a aucune vie, elle n'a aucune dignité. Oh, mais que me chantez-vous là? Mais c'est une plante! Vous ne savez donc pas parler le langage des plantes? Le langage des plantes? C'est pas très simple. Regardez! Est-ce que tu penses que l'homme doit te toucher? Non, bien sûr que non. Mon corps n'appartient qu'à moi, de la racine à la tige. Vous croyez vraiment que c'est en dansant la Macarena que... Attends, il m'a la plante. Évidemment, elle a dit qu'elle ne voulait pas que tu la tripotes. Peut-être que si tu lui fais la cour... Elle aurait dit ça. Tu vas faire la chante cour. Chante-moi une chanson, s'il te plaît. Tu vas faire la cour à ce végétal. Si tu veux le tripoter, il faudra bien. Oui, tu es bon, mais je veux que ça vienne de moi. Au moins. Moi, je parle pas très fort, mais j'ai un truc à dire quand même. Bonjour. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu à moi, c'est de plus drôle, vous de l'homme. Et donc maintenant. Maintenant, tu joues deux fois à gauche, trois fois à droite. Oh, je vois, c'est mais bon, je pense que plus à moi. Tu me prends pour un abruti, pourquoi elle gigote, elle? Mais elle te répond. Elle me répond, mais qu'est-ce qu'elle me répond? Eh bien, elle te répond qu'elle te trouve un peu... Je te trouve un peu... Un peu gros. Non, graminé. Un peu à ma femme. Voilà. Graminé. Ah, je suis. Ah! Elle, qu'est-ce qu'elle dit là? Au secours! On parle pas le langage français! Au secours! Je les aime pas! Ah, pas des mouches! Peut-être si tu veux la séduire, tu les débarrasses de ces mouches! Chasse la mouche! J'ai comme l'impression que tu fous de ma gueule, mais c'est pas grave. Moi, j'ai toujours un truc à dire. Elle est où? Là, c'est bon, elle est morte, la mouche. Je peux aller la tripoter comme je veux. Elle a dit oui. Elle est bonne. Tu aimes quand je te tripote? Oui, les bas. Et c'est ainsi que je naquis en l'an 2034 de l'union d'un géranium et de mon père, premier homme végétal qui a enfin reconnu la dignité des plantes.